Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je salue la présence du groupe de l'association Saint-Étienne que je connais bien, les petits chanteurs de la manécanterie Saint-Grégoire de Perpignan et puis mes confrères prêtres qui sont de différents diocèses de France, Coutances, la société Saint-Jean-Marie Vianney, monsieur le supérieur, et l'abbé Louis, que je connais de longue date. Au début de cette Eucharistie, en nous présentant par l'intercession de Notre-Dame de Fatima devant le Seigneur, nous demandons avec les pastoureaux la grâce de vivre pleinement le mystère qui nous est donné de célébrer. Préparons-nous à l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenue par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ, et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à l'Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson,
« Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « La clameur des fils d'Israël est parvenue jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Et maintenant, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Dieu lui répondit, « Je suis avec toi. Et voici à quel signe on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Parole du Seigneur. Nous rendons. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Alléluia! 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 Alléluia!
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie d'aujourd'hui est merveilleuse, qui nous donne à méditer ces deux textes, et tout d'abord celui du buisson ardent. Nous connaissons tous assez bien la vie de Moïse. Vous vous rappelez comment il a été, lui, pauvre hébreu, sauvé des eaux, élevé à la cour de Pharaon, et après une éducation brillante, eh bien, patatras, il se mêle un peu trop de ce qui ne le regarde peut-être pas encore. Voici qu'il veut protéger un de ses frères et dans la bagarre, il tue l'Égyptien. Vite, il le cache, mais d'autres ont vu. Et le lendemain, lorsqu'il veut intervenir auprès de ses frères hébreux pour essayer de les réconcilier, on lui dit « Mais pour qui te prends-tu? Qui t'a établi juge de nous autres, les Hébreux ?» Alors Moïse comprend que son crime est connu, il a peur, il fuit, et le voici réduit à l'exil et finalement en train de garder les moutons de son beau-père Jéthro au pays de Madian, lui qui avait un avenir brillant prévu pour lui à la cour de Pharaon. C'est cet homme humilié que le Seigneur vient visiter dans l'épisode du buisson ardent. Et Dieu se révèle comme un feu tout brûlant d'amour et pourtant qui ne détruit pas le buisson. C'est ainsi que Dieu se révèle comme un Dieu fidèle à son peuple. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Dieu est fidèle et la tradition chrétienne voit dans cet épisode du buisson ardent comme une belle préfiguration du mystère de l'incarnation. Le Seigneur Jésus, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, cette lumière qui vient parmi les hommes et que les hommes n'ont pas su accueillir, il est là, au buisson ardent. Et ce buisson exprime d'une certaine manière cette humanité qu'il vient assumer à travers Marie, et les iconographes ne se sont pas trompés, qui représentent souvent cet épisode du buisson ardent en faisant de ce buisson Marie elle-même, qui porte en son sein la lumière envoyée par le Père pour sauver les hommes. Eh bien, ici à Fatima, d'une façon très extraordinaire, nous retrouvons un buisson ardent dans cette vision que les enfants vont avoir de la Vierge Marie, qu'ils vont décrire comme une dame encore plus brillante que le soleil. C'est bien Marie, la mère du Verbe incarné, la mère de celui qui est lumière des hommes, soleil de justice, eh bien, qui porte en elle ce feu tout brûlant d'amour du Seigneur, qui une fois de plus vient à la rencontre des hommes, car Dieu est un Dieu sauveur. Il est venu sauver son peuple d'Israël, autrefois esclavage de Pharaon, et en 1917, dans cette guerre mondiale terrible, Marie revient pour dire aux hommes que le chemin de la paix, le chemin du salut passe eh bien, par la conversion. Cette fois-ci, le salut qui nous est proposé
et à la fois temporel, être délivré de la guerre, mais aussi il est spirituel, être délivré de nos péchés, se convertir. Mais Dieu ne veut rien faire sans la participation des hommes. Dieu n'a pas besoin de Moïse pour sauver son peuple. Il peut faire les 10 plaies d'Égypte sans Moïse, mais il veut avoir besoin des hommes. Il a besoin de Moïse. Dieu peut faire sans les enfants de Fatima, mais il fait le choix d'avoir besoin de nous, d'avoir besoin de ces enfants de Fatima. Et cette fois-ci, eh bien, ce n'est pas le feu qui parle, ni l'ange du Seigneur, mais c'est la Vierge Marie, elle qui porte le feu de l'amour de Dieu, elle qui est brillante comme un soleil et qui s'adresse aux enfants. Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs? Et les enfants répondent spontanément, oui, nous le voulons. Moïse hésite beaucoup. Les enfants ont répondu oui spontanément et l'évangile d'aujourd'hui nous en dit la raison. C'est aux humbles et aux petits que Dieu révèle son message. Aujourd'hui, à notre tour d'entendre cet appel du Seigneur, que pouvons-nous lui donner, nous aussi? Nous n'avons peut-être pas la vocation exceptionnelle de Moïse ou de Jacinta ou de Francisco, mais nous pouvons nous consacrer, nous aussi, au Seigneur, à chacun de nous, de voir ce qu'il veut lui consacrer de lui-même.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la Bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et tu conduises nos cœurs vacillants par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son manteau maternel, de son amour maternel, l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Thank you.
heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur.
Prions. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Deus in mundum ut viva